Depuis la rencontre du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde à Washington aux États-Unis d'Amérique, des missions du FMI sont régulièrement reçues à Kinshasa, conduites par le conseiller au département Afrique Mauricio Villafuerte. Une délégation du Fonds monétaire international a échangé en scellé avec le président de la République sur des sujets relatifs à la manière dont le FMI va accompagner la RDC dans ses efforts pour le redressement de l'économie du pays. Un pas a déjà été franchi dans le rétablissement de relations avec le Fonds monétaire international. Nous avons préparé un rapport pour notre conseil d'administration et fait des recommandations pour le futur en ce qui concerne l'assistance technique et financière sur base du travail fait sur le terrain, a dit en substance le conseiller au département Afrique du FMI au sortir de l'entrevue. La mission a venu en réponse précisément à la les entretiens que le président de la RDC a eu avec Madame Lagarde, la directrice générale du FMI. Et l'objet était de conduire une évaluation, faire un état de l'économie et des politiques macroéconomiques et les perspectives de court et moyen terme. Analyser les réformes, les plans pour réformes structurelles dans le domaine des gestions des ressources publiques, la gouvernance économique, du climat des affaires.